Bonjour. Alors, une dernière vidéo avant de passer à la partie drafting. Alors, dans cette vidéo, on va réaliser ce. Eh bien, je vais vous montrer les étapes pour réaliser ce piston. Celui qu'on va utiliser dans le moteur radial qu'on va réaliser à la fin de la formation. Et également, on va voir la BL de connexion, celle-là. Donc, pour cette vidéo, on va réaliser cette BL et également je vais vous montrer les étapes pour concevoir ce piston. Alors, c'est simple. Et concernant le PDF, ben, les dimensions, vous allez trouver un PDF dans la boîte de description sur lequel vous allez trouver les dimensions, les côtés, tout ce que vous avez besoin. Alors, voilà. Premièrement, j'ai créé une esquisse dans le plan YZ. Voilà l'esquisse. Voilà, j'ai créé ce profil. Les dimensions, vous allez trouver dans le PDF dans lequel je viens de vous parler, dans la boîte de description. Et après, j'ai fait révolution sur l'axe, bien autour de l'axe Z de ce profil. Et il nous a donné ce 3D. Voilà. Puis j'ai choisi ce plan ZX et j'ai fait l'esquisse avec un trou de. Un trou de 10 comme diamètre et une distance de 15 de l'axe, bien de cet axe H horizontal. Voilà. Et j'ai fait proche dans les deux sens. Voilà, j'enregistre. D'abord, je colore mon 3D. Vous allez dans graphique pour choisir une couleur. Celle-là, par exemple. Et OK. Voilà, alors je cache l'esquisse. C'est pas bien que l'affiché. Et aussi celui-là. Voilà, fichier enregistré sous. Vraiment, c'est simple. Alors, piston, je l'appelle piston. C'est bon. Donc, je regarde le nom ici. Également, propriété. Vous allez dans produit. Et là, vous mettez piston. C'est bon. Contrôle S. Pour enregistrer notre 3D. Voilà, je sors de cette esquisse. Je crée un autre. C'est pour la BL de connexion. BL. C'est bon. Voilà, je prends ce plan comporteur d'esquisse. Vous allez sur la flèche qui tout au-dessus de rectangle. Vous choisissez ce profil. Voilà. Toujours concernant les dimensions, vous allez trouver dans la boîte de description. Et là, j'ajoute quelques contraintes. Alors, entre axes, les rayons. Et également, je vais ajouter deux cercles. C'est bon. C'est bon. Je clique sur achat. Bon, j'ajoute le diamètre ici et ici. Voilà. Comme vous voyez, j'ai cliqué sur cet écran. C'est pour l'édition de toutes les dimensions. Voilà. Alors, ici, je mets. Comme vous voyez ici. Alors, je mets 5. Vous voyez ici, c'est le diamètre 6-10. Sur votre rayon, je mets 10 rayons. Voilà, ici, elles sont bien écrites. Rayons. Alors là, on met 15. Celui-là, on met 10. Et ici, on met 225. 250.
Ok. Voilà. J'ajoute une contrainte. C'est entre l'axe horizontal et le centre du cercle. Alors là, je mets 125. C'est juste pour la symétrie. Je sors l'esquisse. Extrait du. Et là, je mets 15 sur 2 avec une extrusion symétrique. C'est bon. Voilà notre biel de connexion. J'ajoute une couleur graphique. Alors, je mets par exemple cette couleur là. Ok, c'est bon. Et enregistré sous. Voilà, ville de connexion, c'est bon. Donc c'est tout pour cette vidéo. Alors n'hésitez pas à abonner, à liker et bien sûr à commenter si vous avez des remarques ou des choses que vous voulez que j'explique. Et je vous retrouve dans cette prochaine vidéo. Bien sûr, dans la prochaine vidéo, on passe à la partie graphique, c'est-à-dire la mise en plan. À la prochaine.